bienvenue sur ma chaîne Danae Makeup. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer donc mes cadeaux d'anniversaire. Donc je ne fais pas cette vidéo pour me vanter de ce que j'ai eu. N'hésite pas que je suis prétentieuse ou n'importe quoi. Vous me l'avez demandé 10 000 fois dès que je vous ai dit, enfin vous savez que c'était mon anniversaire, vous me l'avez souhaité, vous me l'avez souhaité, vous m'avez tous dit fais une vidéo sur tes cadeaux, mais vraiment tous. Donc voilà, je l'ai fait pour vous faire plaisir. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer avec les cadeaux que mes amis m'ont offert. Donc en premier j'ai Amine qui m'a offert cette pochette pour le voyage. Donc je trouve ça vraiment super pratique. En plus elle est bien profonde. J'adore les couleurs bordeaux et beige, ça se marie super bien. Donc voilà, et pour partir en voyage je trouve ça vraiment super pratique parce que je n'ai pas de pochette pour partir en voyage. Donc voilà, je trouve ça super pratique et je le remercie. Ensuite, vous avez Evan qui m'a offert cette petite box Benefit où à l'intérieur, il y a donc ça, le blush liquide, la stay matte, un correcteur, le professionnel, un mascara. Et ça, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Donc il y a écrit liquide perle for face. Donc je ne sais vraiment pas ce que c'est. Liquide perle, je sais pas, perle. Peut-être que c'est des trucs nacrés, enfin vraiment je sais pas du tout. Donc vraiment je sais pas du tout, donc si vous savez, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît. Donc voilà, et donc j'adore vraiment cette box. Donc tout était en minuscule, j'espère que ça va pas tomber, voilà. Donc voilà, merci Evan, encore une fois. Ensuite, le jour de mon anniversaire, on est allé au cinéma, donc... Il y a un pote à moi qui m'a payé ma place, un autre pote qui m'a acheté donc les pop-corn et voilà. Et j'ai ma meilleure amie, donc je peux pas vous montrer parce que c'est là, c'est posé. Je vais essayer de prendre la caméra et de vous montrer. Elle m'a offert des rangements make-up, 3, un pour les cotons, un pour un peu de rouge à lèvres et ce que tu veux à l'intérieur, et 2 tiroirs en fait, je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, ça se présente comme ça, il y a 2 petits tiroirs. Donc le premier j'ai mis des trucs de chez Urban Decay. Et le deuxième j'ai mis tous mes blushs. Ici il y a des petites épongettes comme ceci que j'ai mis là, avec mon démaquillant et des rouges à lèvres. Et voilà le rangement pour les cotons. Donc j'ai juste à prendre comme ça tout simplement. Et c'est vraiment super pratique. Donc je te remercie du fond du cœur Lucie, tu es magnifique aussi. Ensuite j'ai un autre copain qui m'a offert un collier et un bracelet, donc de chez H&M, parce que c'était dans un paquet H&M. Donc un bracelet comme ceci, je sais pas si vous allez voir correctement, j'essaie de le mettre. Hop. Voilà. Donc c'est un bracelet comme ceci qui est vraiment mais dingue de chez dingue, je l'adore. Il est vraiment magnifique, je le kiffe. Avec un collier comme ceci, avec une petite boule comme ceci en or, enfin faux hein, mais voilà. Et donc voilà, il est vraiment super magnifique pour mettre avec du noir, enfin moi c'est mon avis, mais voilà, et je le trouve vraiment magnifique. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour ce qui est de mes amis. Ensuite donc ce que j'ai acheté, enfin ce que j'ai reçu, j'avais en fait fait une journée shopping avec ma mère. Au lieu de demander comme ça, parce que je suis sûre que je vais oublier des trucs à demander et tout. Donc on allait rue Rivoli, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une grande rue immense avec toutes les boutiques Bershka, Forever 21, MAC, Lush, il y a vraiment toutes les boutiques. Donc j'ai acheté là-bas donc des produits. Et donc voilà, je vais vous montrer tout de suite. Avant de commencer ça, ma petite sœur m'a offert 2 petits vernis de chez Promode. Comme ceci, elle est trop mignonne. C'est elle qui les a choisis et tout. Et vraiment, ils sont vraiment super beaux. Enfin, moi, je trouve, après, voilà. Donc, il y a un petit corail. Il s'appelle... C'est le numéro 02 corail. Et celui-ci, c'est le numéro 01 nude. Donc, voilà. Après, je me suis acheté 2 choses avec mon argent. Oui, 2 choses avec mon argent. En premier, je me suis acheté un pinceau comme ceci de chez Sephora. C'est le Pro Blending paupières estompeur large 27. À 17€, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà, il est vraiment super pratique. Je m'en suis pas encore servi, mais il est vraiment super doux et il mélange super bien. Donc voilà. Donc ça, c'est mon cadeau que je me suis offert à moi-même.
Donc voilà, et le deuxième, je me suis acheté un crayon noir de chez Urban Decay. Donc c'est mon premier crayon noir de chez Urban Decay. Waterproof en plus, qui est vraiment magnifique. Donc le packaging déjà est super sympa. Donc voilà, et il est vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Il est bien noir, il est bien comme j'aime. Il est vraiment super. Donc voilà, maintenant on peut passer donc ce que mes parents m'ont acheté. Donc alors en premier, je vais commencer par les accessoires. Hein. Enfin, ça c'est chez Forever 21 qui coûte 1,50€. C'est un pack de plein de petites éponges. Donc il y en a 20. Donc voilà, je trouve ça vraiment super pratique parce que moi mon correcteur que j'appliquais sur mes boutons, je l'applique au doigt et on voyait encore les... On dirait voilà, Kinder Country, vous voyez. Plein de... Ah, c'était vraiment horrible. Et avec ça, maintenant, j'ai juste à tapoter par-dessus et ça s'estompe magnifiquement bien. Ensuite, un rouge à lèvres MAC comme ceci. C'est le Yash AB3. Donc, c'est un mat qui est vraiment divin que je porte sur mes lèvres. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il est vraiment très 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 beau. Donc je l'ai appliqué et je l'ai estompé avec mon doigt parce que sinon il se voit vraiment beaucoup beaucoup. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu et je trouve vraiment super joli. Le fini est très beau et le résultat aussi. Ensuite je suis allée chez Lush et j'ai acheté donc une bombe pour le bain. C'est le Cosmic Girl. Donc voilà, pour un bain pétillant. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu comment il est. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est une grosse bombe comme ceci. Hop. Voilà. Et en cadeau, ils m'ont offert c'est le It's Raining Man. Et donc c'est un gel douche en fait au miel et au caramel. Donc voilà. Super. Puis je suis allée chez Body Shop et je savais pas qu'ils faisaient des petits pots de exfoliant à 5€ l'unité. Donc voilà, vraiment tout petit, exfoliant. Ça me donne donc l'opportunité de tester. Et j'ai pris celui au pamplemousse qui sent divinement bon. Donc voilà, il sent vraiment le pamplemousse. Et je pourrai enfin tester la marque The Body Shop. Donc voilà, maintenant on peut passer tout simplement aux habits. Pour les habits, un grand sac voilà, rempli d'habits. Donc je vais essayer d'aller vite, désolé si la vidéo dure 30 minutes. Mais donc voilà, j'essaie de faire au plus vite. Donc je vais pas par marque, je prends le t-shirt que je vois tout simplement. Donc ça c'est un t-shirt de chez Forever 21. Un t-shirt comme ceci. Ou bien ouvert au niveau voilà, au niveau du bras là. Il est bien ouvert. Et celui-ci m'a coûté 5,95€. Donc voilà. Ensuite un deuxième comme ceci de chez Forever 21. Celui-ci, c'est mon frère qui me l'a acheté, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc pour les vacances, avec un beau short, ça va être magnifique. Donc il est court, hein. Tous mes t-shirts, ils sont courts. Vous ne posez pas la question, ils sont vraiment tous courts. Donc voilà, là, c'est un rose fluo qui a coûté, bah, ils ont barré en fait. Ah, j'arrive à voir, 4,95€. Donc voilà. Ensuite, un autre t-shirt que mon frère m'a offert. C'est un t-shirt blanc avec écrit dessus Thanks God for fashion. Donc merci Dieu pour la mode. Donc voilà, un petit t-shirt court comme ceci qui est à côté aussi, donc c'est barré mais j'arrive à lire. Et ben non, c'est pas écrit. Il y a écrit RS pour 749. Donc voilà. Mais il coûte pas cher, il doit coûter aussi 5€. Donc voilà. Ensuite un t-shirt, je savais pas qu'il faisait ça, H&M, donc un t-shirt bleu court comme d'habitude. Donc c'est de la collection Divide. Donc, voilà. Un t-shirt bleu électrique qui m'a coûté 4,95€. Que j'ai pris en S parce qu'il me paraissait un peu petit quand même. Donc voilà, mais sinon il est parfait. Ensuite un t-shirt de chez Jennifer. Donc c'est un t-shirt aussi court. Avec une. Donc c'est un t-shirt court avec une lèvre en plein milieu. Qui coûte 7,99€. Donc voilà.
Ensuite, un autre t-shirt de chez H&M qui, je sais pas si vous pouvez voir, un peu délavé comme ça, un peu vieux, je sais pas comment décrire ça. Donc aussi court. Donc voilà, qui a coûté 7,95€. Ensuite, un autre t-shirt de chez Forever 21, donc le même qu'en blanc mais en noir, mais avec écrit autre chose en fait, c'est le même modèle. Enfin, c'est pas complètement en noir, c'est un gris foncé. Donc voilà, qui m'a coûté 9,95€. Ensuite, vous avez un short de chez Bershka, donc c'est un short comme ceci, taille haute. Si voilà, donc vraiment magnifique, que je kiffe, qui m'a coûté 14,99€. Ensuite, vous avez le même en jean, enfin, c'est pas jean, c'est stretch, hein. C'est comme en fait, c'est la matière d'un legging. Mais c'est, on dirait que c'est un jean en fait, qui m'a coûté aussi 14,99€. Donc voilà, comme ceci. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il donne, vous pouvez aller voir ma photo sur Instagram qui est DanaEBL. J'ai posté une photo avec ce short là et le t-shirt noir de chez Forever 21. Et vous pouvez voir qu'est-ce qu'il donne. Donc il est bien taille haute, etc. Et j'adore ça. Ensuite, un t-shirt de chez H&M, donc basique, hein. Gris comme ça, celui-là il est pas court, c'est... celui-ci il est pas court, c'est un vrai t-shirt. Mais ici sur le côté, donc il y a des petites il y a des petits trous, il y a des petits fils, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Il y a des petits fils comme ceci sur le côté, qui m'a coûté 19,95€. Pardon, c'est de chez Zara, pas H&M, Zara. Ensuite, vous avez un autre t-shirt que mon frère m'a acheté. C'est un t-shirt de chez Forever 21. Donc, il n'est pas court, il est long. Il est bien long celui-ci. Qui a coûté 15,75€. Donc, le prix a été rayé, mais j'arrive à lire quand même. Donc, voilà, avec un groupe de robes. Donc, voilà. Il est long, il est gris et il est super joli. Ensuite, j'ai acheté un petit chemisier comme ceci de chez Bershka. Donc un peu transparent avec, vous savez, les boutons, donc un chemisier. Qui m'a coûté 9,99€ et qui est léger pour l'été, voilà. Avec un t-shirt en dessous, donc voilà. Ensuite, vous allez me prendre pour une vol, hein, mais les petites chaussettes, hein. J'adore ces chaussettes-là, je sais pas, ça, c'est grave américain. Rose fluo, blanc, genre, on dirait les pop-pom girls, je kiffe ces chaussettes-là. Donc voilà, qui ont coûté... voilà, 7,99€ chez Jennifer. Donc voilà, ensuite il y a une bague que ma mère m'a piquée. Donc je la retrouve pas parce que ma mère, bien évidemment, me l'a piquée. Vous la montrez, mais je passerai une photo sur Instagram sur le compte Photo Astuce. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite, il y a un autre t-shirt que je porte sur moi. C'est un blanc de chez Springfield. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous pouvez voir, donc c'est un blanc basique avec juste des petits boutons ici. Donc il est assez long, voilà. Simplement un blanc. Et le jean que j'ai acheté aussi chez H&M. Donc c'est un jean aussi clair, déchiré ici. Et il est aussi, je sais pas si vous pouvez voir, déchiré au niveau du genou. Et il est vraiment super sympa à porter et vraiment très agréable à porter. Donc voilà. Après, il y a un dernier truc, mais c'est pas, je compte pas ça comme un cadeau d'anniversaire parce que c'était plutôt un besoin. J'avais plus de démaquillant et c'est vraiment le seul qui est vraiment parfait. Donc ma mère me l'a racheté. Mais comme c'était le jour de mon anniversaire, donc bref. Voilà, je le mets quand même. Donc c'est le démaquillant de chez Nivea, démaquillant aux yeux, double action, qui est vraiment magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà les filles, ma vidéo de mes cadeaux d'anniversaire est maintenant terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées cadeaux. Je m'excuse si il y a des moments qui sont flous, donc il y a des problèmes avec ma caméra. Je le sais, comme c'est la caméra à mon père, je vais essayer de lui demander d'où vient le problème, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous donne des idées de cadeaux comme je l'ai dit. Voilà, je redis encore une fois que c'est pas cette vidéo, je suis pas prétentieuse ou n'importe quoi, je vais pas me vanter de ce que j'ai eu, justement c'est vous qui me l'avez demandé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo mercredi. Ciao.